Bonjour Lola. Bonjour. Nous sommes là pour parler du voyage de Fanny. Comment avez-vous découvert le livre, donc le journal de Fanny à la base? En fait, j'avais demandé, c'est ma productrice qui est venue, comme une des deux productrices à Gay Blanchard, qui m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui avais donné trois mots, j'avais trois envies. C'était retourner avec des enfants, des adolescents, un film, j'avais envie d'aventure, de mouvement en tout cas, et un morceau d'histoire. Donc je lui ai donné ces trois mots, et c'est elle qui est venue avec ce livre, le journal de Fanny, qui me l'a glissé en me disant « Regarde ». Pourquoi cette envie de retravailler avec les enfants, du coup ? Je marche énormément à l'envie, à l'instinct. Pourquoi j'aime le travail avec les enfants ? Parce que c'est instinctif, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de façon de faire, il y a juste une justesse à essayer de trouver. Voilà, c'est un travail différent aussi avec forcément chaque enfant, mais parfois ça fait du bien effectivement d'aller se confronter à ça. C'est un sujet assez sensible, sauf que vous le traitez d'une manière feel good. Donc c'était une volonté ou... La volonté, c'était vraiment de faire un film sur cette période d'histoire, donc la Seconde Guerre mondiale, mais d'en faire un film à hauteur d'enfant. En hauteur d'enfant, pour des familles, donc autant que ça soit pour des parents ou des enfants. Donc c'était pour s'adresser à des enfants. C'est vrai que j'avais envie de m'adresser à un public jeune qui connaissait pas encore cette période de l'histoire. Donc je pouvais pas en dire plus que ce qu'ils savent à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et je me suis dit, mais dans le film, c'est les petits, ils sont au même niveau, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est la guerre. Mais ils n'en savent pas plus. Ce n'est pas mon rôle et ma responsabilité d'en dire plus. Je vais parler de cette période, de notre histoire, avec un grand H, mais à travers une histoire plus individuelle, plus personnelle. Mais donc, ça donne un film auteur d'enfant où on, voilà, je ne traite pas du drame, mais je le traite d'une façon... On voit bien que ces enfants n'ont pas vu... Leurs parents sont sûrement les premières victimes depuis des années. Il y a déjà un premier abandon, même si c'est pour les sauver. Mais donc, ça a hauteur d'enfant. Comment vous pensez qu'eux, ils se représentent le grand méchant, justement ? Parce qu'ils ne perçoivent peut-être pas toujours que ce soit les Allemands, dans ce cas-là. Comment ils le perçoivent, cette méchanceté ? C'est compliqué parce qu'effectivement, les plus grands, même les petits, savent que c'est les nazis. Mais après, c'est vrai que quand on est enfant, qu'on a le grand méchant monstre, je sais que c'est une histoire vraie. Ça, je l'ai pris d'une anecdote de... Est-ce que c'était la vraie Georgette ? Je ne sais plus, mais d'une enfant qui était plus petite, qui avait 3-4 ans, et qui... entendait tout et avait focalisé ce qui se passait autour d'elle, ce qu'elle entendait sur une sorte de monstre. Hein, parce qu'effectivement, quand on entend le peu qu'on peut entendre, c'est monstrueux. Donc ça devient un monstre. La fraternité entre cette bande d'enfants, elle est très sincère. Est-ce que ça a été compliqué de rassembler tous ces jeunes acteurs ? C'était un travail. C'est vrai qu'au casting, on a vu beaucoup d'enfants. On a vu à peu près 1000 enfants, je crois, entre la France et la Belgique, parce que c'était une coproduction. Il fallait trouver le personnage de chacun, donc Fanny, ses sœurs, chaque personnage. Mais il y avait un truc très important qui était trouver chaque personnage individuellement, mais trouver le groupe, former le groupe. Donc je pouvais pas... C'est vrai que dès qu'on avait, choisi chaque personnage, on a eu besoin de les mettre ensemble pour voir si Fanny et ses deux sœurs, ça fonctionnait, pour voir si... le groupe fonctionnait. Parce qu'on ne pouvait pas avoir un groupe des individus qui ne collent pas ensemble. Et ça a pris très rapidement. Ce qui est assez formidable, c'est qu'on s'est rendu compte que dès les premières minutes, la première heure, on va dire, séance de travail, ils se sont fait confiance. Les grands sont occupés des petits, les petits ont eu confiance aux grands. Donc le groupe, c'était très très important. Donc le groupe s'est formé. Et c'était nécessaire. Il y a une grande période où vous tournez en extérieur dans ce film. Est-ce que vous avez une préférence, tourner en studio ou en extérieur ? Tourner en extérieur, oui, de loin, sauf que c'est beaucoup plus aléatoire, donc c'est souvent plus compliqué. C'est plus compliqué de tourner en extérieur, mais parce qu'on n'est pas à l'abri du temps, de la pluie, donc tout est plus de la lumière. On peut, voilà, on dépend de la nature et de tout ce qui se passe, mais oui, j'ai une préférence pour l'extérieur. Tout à l'heure, on a pu parler avec Fanny Benhamy, que vous avez rencontrée avant de commencer le film, elle nous a dit. Comment vous lui avez présenté votre projet ? En fait, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, d'abord, il faut que j'aille la voir, elle,
Parce qu'un livre, c'est un livre. Mais surtout, son livre, c'est 4-5 ans de sa jeunesse, donc en quelques pages. J'avais vraiment besoin de l'interviewer, d'avoir non seulement ses souvenirs, mais pour être juste dans ses souvenirs, même si j'ai réadapté tout, mais d'avoir ses sentiments, ses sensations. Ça, c'était vachement important. Et de savoir comment était la Fanny, enfant. Quel tempérament elle avait, savoir si j'étais très très loin ou pas de ce que je pouvais moi saisir, de ce qui m'intéressait. Donc il y a eu cette première rencontre pendant quelques jours où je l'ai fait parler. Et après, donc on a écrit le scénario et on lui a proposé le scénario. Je ne pouvais pas faire un film sans son accord. Je ne parle pas d'un truc légal, hein. Je parle une approbation. Ouais, il fallait qu'on soit ensemble dans cette aventure. C'est une aventure tellement de transmission, de témoignage, que c'est pas possible d'aller à l'encontre de l'auteur, de la personne qui a vécu ça. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit attention, ça va faire un choc, parce que c'est votre histoire réadaptée, donc ça va être très bizarre. Effectivement, je crois que ça a été très bizarre pour elle. Mais au final, il y a eu cette même envie de dire « Oui, il y a de moi, mais il y a d'autres enfants. » Et c'est ça qui est important, c'est que la plupart des autres histoires, des autres anecdotes sont vraies. C'est que je les ai piquées à d'autres enfants cachés, dans d'autres témoignages, dans des livres et tout ça. Donc ça, c'était très important de se dire « C'est globalement juste tout ça, même si ça ne vient pas que d'une personne. » Ça vient beaucoup de cette personne, de cette Fanny Benhamy. Mais il y avait la même envie de se dire c'est juste et on a envie de transmettre ça. On a envie que ça soit vu, qu'on en parle, qu'on en discute derrière. En fait, dans ce contexte donc très difficile, les enfants gardent un peu leur innocence, insouciance. Ça a été important pour vous de le montrer parce que dans le film, il y a des moments quand même d'humour. Et donc, c'était important de garder cette insouciance. C'est très important de garder l'insouciance des enfants parce que c'est la base d'un enfant. C'est ce qui le différencie avec des adultes. Là, on parle d'enfants en temps de guerre. Malheureusement, on demande à ces enfants de devenir très responsables, de prendre des responsabilités d'adultes. Donc, ce qui est incohérent, ce qui est pas normal. Mais malgré tout ça, malgré ça, il reste des enfants. Et c'est ça qui est vachement important. C'est qu'un enfant, il y a cette légèreté, cette insouciance, cette irresponsabilité malgré tout et heureusement. Et ce qui me paraissait aussi important, c'est de montrer que les petits, évidemment, sont beaucoup plus insouciants que les plus grands, mais que Fanny, son personnage, c'est pas une héroïne. D'en faire une petite sainte m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était son côté obstiné, buté, son côté téméraire. Voilà, cette témérité m'intéressait. C'est-à-dire que parfois, c'est par énervement, parfois, c'est par vexation, parfois... Mais ça m'intéresse, qu'elle fonce. Qu'elle soit une fonceuse, plus parce qu'elle est téméraire que par réflexion, non, ça reste une enfant. Et ça me paraissait très très important qu'on garde cette enfance, donc avec ces moments de joie, même s'il y a un côté très dramatique, tout d'un coup, il passe à un truc qui les amuse et ça switch en deux secondes, et ça, c'était vachement important. La fameuse scène justement des billets, il y avait justement ce déclenchement. En tant que réalisatrice, donc vous cherchez vos projets comme ça, vous proposez des adjectifs et on vient vous voir avec des projets, c'est comme ça que vous fonctionnez ? Non, je fonctionne jamais pareil. Donc là, ça s'est fait comme ça. Mais non, après, par contre, je fonctionne par envie, ça sûr, mais j'ai plein d'envie. Mais heureusement, chaque projet est différent et chaque début de projet est très, très différent. Donc parfois, ça peut être trois mots de ce qui s'est passé là. Non, ça change à chaque fois. Et pour vos futurs projets, donc, qu'est-ce que vous avez en poche ? Des envies. De toute façon, tant que le film n'est pas sorti, c'est très compliqué de se mettre à un nouveau projet. C'est un peu comme un accouchement. Tant qu'on n'a pas accouché d'un enfant, c'est vrai que c'est difficile de penser déjà au deuxième. Donc là, j'attends le 18 mai la sortie pour me dire c'est bon, maintenant je peux passer au projet suivant. Vous avez réalisé un épisode de 10%. La télé, ça vous a convaincu ? J'ai réalisé deux épisodes. Excusez-moi. Non, mais... Et la télé, oui, bien sûr. Mais la télé, comme le cinéma, peu importe. Hein. C'est des formats, après, c'est des règlements, des règles différentes par rapport à un timing, par rapport à. Mais que ce soit du cinéma ou de la télé, pour moi, ça change rien du long, du court. Tant qu'il y a de l'envie et l'envie de faire au mieux et de s'amuser avec tout ça, c'est pareil.
Merci beaucoup, Lola. Bah, merci beaucoup à vous. Forcément, on se crée un peu une coquille quand on est harcelé, donc on a tendance à être beaucoup plus combatif dans la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis aujourd'hui, un peu toujours dans le rush, toujours à faire des choses et à pas me laisser abattre.